donc c'est le semis des oignons qui a commencé. On est le 2 avril, il fait sec. Donc ça, ce sont des oignons jaunes. J'en mets à peu près 50 000 cette année, ce qui n'est pas beaucoup du tout. Je vais surtout me concentrer sur les oignons un peu spéciaux. Donc l'année passée, je ne les avais pas montrés, mais sur une autre parcelle, on avait des oignons, des cuisses de poulet et des roses. Et ceux-là se sont très bien vendus. J'ai une bonne récolte, je crois l'équivalent de 20 tonnes hectare. Mais ceux-là, par contre, j'ai tout de suite tout vendu. Et le reste est passé en vente directe. Et là aussi, je suis tombé à court assez rapidement. Donc cette année, je vais me concentrer là-dessus. Et juste faire assez de jaune et de rouge pour la vente directe. Mais je ne vais pas essayer vraiment d'en revendre. Alors là, on est à peu près 3 semaines après le semis et il est temps de passer le désherbeur thermique. Donc, ça fait une petite semaine que je surveille la levée des oignons. Et donc aujourd'hui, les premiers oignons sortent de terre. Donc, j'ai attendu le soir pour passer le désherbeur parce qu'il ne faut pas de vent. Donc ça, c'est un désherbeur que j'ai fabriqué moi-même il y a 2-3 ans. Donc c'est juste 4 bonbonnes relié directement à un désherbeur à main que j'ai monté ici sur un petit châssis. Donc je sais desserrer ça et les coulisser, donc je peux choisir le nombre de rangs, l'écartement. Et donc ici je ne brûle que sur la ligne de semis, donc je me fiche de désherber, de brûler entre les rangs. Tout ça, ce sera biné plus tard. Donc en travaillant comme ça, je consomme à peu près, avec les 4 bouteilles, je dois faire à peu près 3 hectares. Donc ce qui fait un coût d'à peu près 30 euros l'hectare. Et donc me voilà sur le champ. Alors, donc ici, on peut voir. Donc là, c'est des chénopodes. Et on a, et là, les oignons. Chénopodes. Chénopodes. Là. Là, encore un oignon qui arrive. Donc, je vais dire sur un mètre. Sur un mètre, je vois à peu près 2 oignons qui sortent. Alors, donc on peut brûler les oignons. Donc voilà encore un. Mais on m'a clairement dit. Il faut éviter, donc là il y en a quelques-uns, donc c'est le moment idéal. Chaque jour maintenant il y en aura de plus en plus qui vont sortir, donc si on les brûle ils seront pas morts, mais ils vont mettre 10-15 jours à revenir au même stade. Donc l'avance qu'on avait sur les mauvaises herbes, ben, on la perd. Donc ici c'est aujourd'hui ou jamais en gros. Donc là je vais allumer le brûleur.
donc je travaille à 2 km/h à peu près, ce qui me fait 40 ha à l'heure. Donc ici, j'en ai pour une petite heure. Et donc au moment du semis, j'hésitais entre semer tout de suite et attendre les pluies qui étaient annoncées. Donc moi j'ai préféré semer tout de suite pour ne pas prendre de risques. Et au final j'ai très bien fait parce qu'il a plu plus que prévu, il a même neigé plusieurs jours. Et tout ça a fait que les terrains étaient tellement mouillés qu'on n'aurait pas pu semer avant le 20-22 avril. Et là, à mon avis, on aurait été beaucoup trop tard dans la saison pour vraiment réussir. Surtout qu'il fait encore trop froid pour la saison. Donc la germination, elle est plus lente que normale. Voilà, ça c'est fait. Normalement demain matin je vais passer voir, je serai tout près, donc je passerai voir si ça a bien fait effet. Mais sinon là, donc ici c'est la première ligne que j'ai faite, donc il y a une petite heure. Là on peut voir que le kinopode là, il est foutu, il est devenu tout mou et il s'est couché par terre, son voisin aussi. Donc normalement ça a l'air pas trop mal. Et en plus je crois qu'on annonce un peu de gel, donc ça risque d'augmenter un peu l'effet encore plus. Donc on se voit demain. Alors voilà, je suis 4-5 jours après donc le passage du brûleur. J'ai pas pu venir le lendemain, mais c'est tant mieux, on verra mieux le changement maintenant. Mais par contre, j'ai du mal à trouver des mauvaises herbes, donc les oignons sont bien sortis. On voit facilement les rangs maintenant.